Ah non, non, il y a plus qu'un chien là. Je croyais. Salut à tous, c'est Swanton, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode sur Minecraft. Pour essayer de me refaire un peu d'obsidienne. Et du coup, dans ce cas-là, essayer de repartir pour téléporter les villageois. Donc je vais pendant ce temps-là préparer l'enclos pour faire le truc à villageois. Ça, au moins, on avance petit à petit, mais on avance quand même. Et je vais prendre... Oh, je vais faire à base de pommes de terre. De toute façon, on s'en fout à la longue. Voilà, les pommes de terre, ça commence à être quand même correct. Bon, allez, c'est parti. Je prends tout ce que j'ai besoin. Mais il va me falloir des seaux. Voilà, alors je vais... Voilà, sinon, ça va m'embêter tout le temps. Ils sont ici. Je vais me les remplir d'eau maintenant. Normalement, si je mets ça... Et un là... Et on va les remplir d'eau. Voilà, super. Je vais me faire une table de craft. Et un coffre pour ranger mon matos. On va se mettre les villageois par là-bas, je pense. Mais là, du coup, on les réceptionne par ici. Ça va être cool. Allez. Parfait. En plus, le terrain est plus ou moins prêt. Alors, c'est assez simple. On prend... Là où on compte 4, 1, 2, 3, 4. Hop. On se met de l'eau ici. Voilà. Donc 1, 2, 3, 4. Là, c'est parce que c'était trop long. On compte 4. 3, 4. 1, 2, 3, 4. Voilà. On fait comme ça. On réunit l'endroit. Voilà, parfait. Ça doit donner un truc dans le genre. Ensuite, on monte de 3. On fait le tour comme ça. Et on monte de 3. Voilà, alors dans un souci d'économie, je vais faire ça. Et je vais me faire des dalles. Enfin, je vais m'en faire encore un peu. 48, termine mon paquet. Voilà, la 64 dalles. Je pense qu'il y a largement assez. Voilà, parfait. Ensuite, on va faire un passage là, je pense. Parfait. Alors, on va se mettre une dalle là, comme ça. Voilà, pour éviter que les villageois tombent dans l'eau et... Après, s'ils sautent par-dessus. Là, en fait, ça fait rien du tout sur la terre labourée. On va se mettre les pommes de terre pendant ce temps-là. Voilà. Comme ça aura le temps de pousser tant qu'on les chasse cette nuit. Ou... Du coup, est-ce que je peux faire ça? Et... Voilà. Bien sûr. Évidemment que je peux faire ça. Ok. Ah oui, donc, du coup, une fois que vous en êtes là, il faut choisir un sens. Et une fois que vous avez le sens, voilà. Donc moi, les villageois vont partir par là. Et je vais les récupérer à peu près là où il y a la vache. Donc voilà, je... Il va me falloir des lits que j'ai... complètement oublié de prendre. Alors, est-ce qu'on a ce qu'il faut pour faire des lits? Alors, en vrai, il m'en faudrait 4. On a de la ficelle, ça va être tellement mieux. Voilà, on a 2 lits. Bon, on a 2 lits. Ça, c'est une certitude. Voilà. Donc du coup, bah là, on va aller chasser, évidemment.
Et toujours pas de zombies villageois. Ah, là-bas. Bon, c'est un creeper. Je crois. Ah, bébé zombie villageois. Ça, c'est cool. Ça marche quand même, hein. Allez, c'est parti. Bon, voilà. Alors. Faire ça. OK. Alors parfait. Allez, laisse-moi tranquille. Je vais me tuer. Hein. Bon voilà. Bon bah on a déjà un villageois. Ça c'est plutôt cool. Oh le marchand. Agrandir mon stock de canne à sucre aussi. Alors est-ce que j'ai pas une ficelle? Oui. Évidemment que j'ai une ficelle qui traîne. Voilà. Donc on est à 3 lits. Ok parfait. Allez je range ce qui m'intéresse pas. Ok bon c'est parti. On va finir ça là-bas vite fait. Il ne reste pas grand chose à faire. Mettre les lits. On se mettra un accès autre. Voilà, après on ferme. On ferme l'endroit tranquillement. Là on va se remettre des dalles juste pour éviter. Bon, voilà, on a réussi à transformer notre premier villageois. Ok, alors. Voilà, on a complètement fini. Il reste plus. Voilà. On se met de l'eau en bas. Puis là, on va décaler d'à peu près. De la structure à peu près. Allez, pour être sûr. Normalement, le mieux, ce serait. Enfin, le minimum, c'est 16. Mais on va faire 20. Alors, on est à 3, 4. Voilà. On est à 7. On va dégager un peu l'endroit. Ah, je me suis trompé. Du coup, ici, voilà. Je reviendrai, je vais vous montrer. Mais en vrai, j'ai décalé. En fait, faut décaler de deux blocs ici et mettre les. Voilà, je remonterai pour vous montrer. Ok. Alors ici, normalement, il n'y a pas trop de soucis. J'aurais peut-être pas dû mettre l'eau tout de suite. Ok. Alors, même limite, je vais faire ça. On est à 7. Je vais agrandir ici. Prime appel, oui. Alors, on va se faire une hauteur de 3.
par la suite, sinon, qui grandissent sur le chemin. Voilà, parfait. Voilà. Normalement, ça coule, l'eau coule plus. On va refaire descendre dehors et on va les stocker ici. Alors j'agrandis la pièce et je vous reprends après. Ok, voilà. Alors je me suis fait donc 7 sur 5, histoire d'être tranquille. Mais voilà, cette pièce-là n'a pas vraiment d'intérêt en vérité. C'est juste pour les stocker. Et sachant que on va pas les laisser là très très longtemps. Ici, parfait. Donc du coup, voilà, il n'y a plus qu'à mettre les villageois. Alors on a pareil ici, je vais mettre une trappe, voilà, comme ça on peut monter tranquillement. Ah, j'étais en train de me dire, mais pas du tout la structure que je vous ai montré. Ici en fait, voilà, alors on va se terminer ça, évidemment. Ok, alors il reste pas grand chose à faire. On se met un truc comme ça. Voilà. Et l'autre en face. Par rapport à vous faites comme vous voulez. Donc il y en a deux. Ça suffit largement. Voilà. La zone est prête. Alors il va falloir qu'ils échangent je sais plus combien de stacks de pommes de terre. Vu que là du coup c'est de la pomme de terre. Entre eux avant de commencer à se dire on fait des bébés. Donc ça peut prendre du temps au démarrage. Mais de toute façon. Quoi qu'il se passe, ça arrivera. Alors ils peuvent peut-être, de temps en temps, passer ici. Mais ils finiront toujours par tomber, c'est une certitude. Et on a officiellement fini. On va juste se faire un petit passage là, voilà, pour amener les villageois, quand on en aura. Je vais attendre d'avoir les deux pour commencer à les ramener. D'ailleurs, je vais faire le tracé du chemin de fer, vite fait. Puis en même temps, je vais prendre un peu de ça. Ok, alors espérons que ça aille... Ça arrive aussi vite que tout à l'heure. Voilà, je me suis fait un petit stock. Allez, c'est parti. Oh, zombie village, voilà là-bas. Ok, il m'a vu, super. Je vais me faire ça maintenant. Voilà. Ça aussi. Logiquement, il n'y a aucune raison qu'il meure. Allez, viens. Ben voilà. Parfait. Ah si, par le soleil. Sauf s'il se transforme avant. Oh non, j'avais pas pensé à ça. Au pire des cas, je vais l'emmener par là. Ah, on peut voir ça ensemble. Voilà, parfait. Voilà, bah, on déplace l'autre villageois et normalement... Là, en plus, il a détecté les lits, ça c'est bon. Je vais mettre un coup de houe, j'ai rien. Bon, petite table de craft. Voilà, il a pris le métier en plus. C'est parfait. Voilà. On va sortir d'ici. Voilà, impeccable. Jusque là, tout est parfait. Bon bah go, on va chercher les rails quand même. Et un wagon. Alors, toutes les rails qu'on a, ok, 26, je pense que ça va pas suffire. Bon après, il n'y a pas besoin d'en avoir 150, ça c'est cool. Par contre, j'ai pas assez de fer du tout. Je peux pas me faire de wagon. Mais non, oh, ça serait complètement incredible. Je descends dans la mine vite fait pour aller chercher du fer.
peu triste. Bon, je descends vite fait. Allez, un morceau de fer. Et au passage... Oh. Ok, bon c'est pas très grave. Hein. Je les avais vus quand même. Bon il nous faut quand même un bout de fer. Allez c'est parti. Allez je vais prendre ici. Bon je pense que je vais remonter, je suis beaucoup trop bas pour récupérer du fer. Voilà je vais chercher ici un peu. Allez on continue, on lâche pas. On essaye de choper du fer. De la redstone? Ouais. J'ai trouvé du fer, c'est ça le pire. Je suis complètement dégoûté. Oh non, la merde. Bon. C'est pas très loin en plus. Encore une bonne nouvelle, je n'ai absolument pas pu récupérer mon stuff. Je ne sais pas pourquoi, il a complètement dépop. Donc voilà, ça va pas changer le problème. Il nous manque toujours un morceau de fer. Et évidemment, essayer d'aller le chercher. Mais là, ça veut dire qu'on n'a plus rien. On a pas grand chose, quoi. Un seau, une pioche et... Voilà. C'est les derniers diamants. Après, c'est la fin. Voilà, c'est tout ce qu'on a. Et le villageois, toujours là, je pense. En plus, je suis mort. Avec toutes les rails. Aïe, 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 aïe. Bon, bah... Je repars miner. Je crois qu'on a un spawner. Un squelette. Oh, c'est terrible, ça. Tout est pas à jeter dans cet épisode, du coup. L'épisode le plus compliqué de l'histoire de Minecraft, je crois. Parce que vraiment, je prends tout ça. Je crois que j'ai assez de fer, 12 de fer. J'ai assez de fer pour faire mon wagon et des rails. 16 rails, ça suffira largement. Ok. Ça va éviter qu'il se respawn. Ah, ça spawn encore. Non, alors du coup, on va se faire un truc comme ça. Ah, mais arrêtez d'être devant. Alors là, c'est officiel. Voilà, là, il ne reste plus qu'un. Ok. Coffre un peu naze. Même complètement naze, ça spawn à côté au passage quoi. J'arrive à les buter.
Voilà, on va remonter. Ici. On est couche 14. Cool. Allez. Merci la torche. Ah, il est vraiment pas loin en plus. C'est stylé. Allez, on va dormir. On va faire fondre le fer. Hop, on dort aussi. Tac, ça c'est bon. Et je vais ranger tout ce que j'ai pas besoin. Voilà, petite jukebox. Que de toute façon. Ah ouais. Allez, on se finit ça. Le wagon. Ok. Et des rails, 16 rails. Il nous reste un point de fer. Mais bon, c'est déjà mieux que rien. On va se prendre. Morceau de verre. Juste un. Voilà. Parfait. Allez. Alléluia. Excellent. C'était long. Très long. Allez, il va aller chercher son métier. Parfait. Donc là, l'usine à villageois est officiellement terminus. Et en même temps, j'irai même chercher des patates à l'occasion. Le squelette est vraiment pas loin de la maison, ça c'est cool aussi. Voilà, bon allez. Ça c'est cool. Alors, tout ce qui va être par rapport au monstre, je vais le mettre dans ce coffre. Là, ça nous fera un peu plus de place. Je vais le cuire. Il doit manquer des choses. Voilà, je vais me faire un coffre à ressources aussi. Voilà, ça, c'est décidé. Tac. Voilà, au moins comme ça. Ça fait un peu plus de place pour tout le reste. Hop, ça c'est bon. Donc bah voilà, on a été dans le nether pour finalement pas grand chose. Pour apprendre à mourir. C'est déjà pas mal en soi. Ah voilà. J'arrangerai ça au fil du temps. Ça c'est bon. Ça c'est ok. Le wagon, je suis sûr d'en avoir eu quelque part. Mais je peux pas dire où. Ok. Donc, ensuite, je voulais démonter ça. On va juste vérifier que ça marche. J'ai pas de deuxième compte, c'est dommage. J'aimerais bien un deuxième compte en spectateur. Normalement, ils peuvent pas se faire agresser par quoi que ce soit. Pas spawnable, ils peuvent pas mourir là, c'est impossible. Ok, on va se mettre en bas là. Arrêter l'épisode là-dessus. L'usine à villageois est finie. Prochain épisode, on se fera une usine à squelettes. Là du coup, les flèches et les os, ça va devenir assez intéressant. Et en même temps l'XP, que j'ai toujours pas ma pioche fortune 3. Et c'est avec celle-là que j'irai miner absolument la prochaine fois. Et enfin dans d'autres épisodes, mais à un moment il faudra que j'aille miner. Et du coup, bah après, on va peut-être commencer les constructions. Donc, j'espère que la vidéo vous aura plu et à bientôt.